Ça ne va pas, monsieur Franck? Si, Bim, si. Tous les gens du bureau sont rentrés chez eux maintenant. Il est 6 heures et quelques. Je suis venu vous dire au revoir. Mais j'ai l'intention de quitter la ville. Que voulez-vous dire? Où voulez-vous aller? Je ne sais pas encore. Rien n'est décidé. Monsieur Franck, vous ne pouvez pas partir. C'est ici que vous êtes chez vous. Amsterdam est votre ville, vous le savez très bien. Et votre entreprise est ici qui vous attend. Je ne peux pas rester vivre à Amsterdam. J'ai beaucoup trop de souvenirs douloureux. Où que j'aille, ils sont là. Il y a notre maison, l'école. Je ne suis plus celui que vous avez connu. Je suis aigri. Pardonnez-moi, je ne devrais pas vous parler ainsi. Après tout ce que vous avez fait pour nous. Toute cette souffrance. Non, non, ce n'était pas de la souffrance. Je sais ce que vous avez enduré, vous et M. Kraller. Je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma vie. Venez, Mip. Oh, monsieur Franck, ne partez pas, attendez. J'ai des papiers qui vous appartiennent. On les a retrouvés dans un tas d'ordures par terre quand vous êtes parti. Brûlez-les. Mais monsieur Franck, il y a des lettres, des notes. Brûlez tout. Brûlez tout. Ça aussi. Lundi le 6 juillet 1942. 1942, est-ce possible? Il y a seulement 3 ans. Cher journal, puisque tous les deux, nous allons sûrement être très amis, je vais essayer de te raconter brièvement l'histoire de ma vie. Moi, je m'appelle Anne Frank. Je viens juste d'avoir 13 ans. Je suis né en Allemagne. Comme notre famille est juive, nous avons émigré en Hollande quand Hitler est arrivé au pouvoir. Mon père a monté une entreprise d'importation d'aromates et d'épices. Tout allait bien pour nous jusqu'en 1940. Puis sont venues la guerre, la capitulation hollandaise, suivie d'une arrivée massive des Allemands dans toute la Hollande. Les choses ont commencé à tourner mal pour les Juifs. Ils ont forcé père à se retirer des affaires. Hier, père m'a dit que nous irions nous installer dans une cachette. Elle se trouve dans le grenier de l'immeuble des anciens bureaux de père. Oh, voilà, on avait peur qu'ils vous aient tous embarqués. On l'a fait un long détour, il y avait trop de voitures militaires dans les rues. Les Van Damme sont arrivés. Il y a une demi-heure. Bien. Madame Van Damme, oh, je suis navré. Monsieur Franck. Et vous êtes sur mon péter. Monsieur Franck. Oui. Ah, Monsieur Van Damme. Monsieur Franck. Excusez ce retard, mais la police militaire. Voici ma femme, Edith. Madame Van Damme. Monsieur Van Damme, leur fils Peter. Et voici mes deux filles, Margot. Bonjour. Et Anne. Bonjour, Anne. Bonjour. Madame Franck, j'ai mis les conserves que vous avez envoyées sur cette étagère. Les médicaments sont là.
Le savon et le linge sont ici. Eh, pardonnez-moi, je dois repartir. Je dois traverser la ville pour aller chercher vos cartes d'alimentation. Des cartes d'alimentation? S'ils voient nos noms dessus, ils sauront tout de suite où on habite. Ne vous inquiétez pas soyez sans crainte. Ce ne sont pas vos noms qui figureront. Au revoir. Je reviens tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Merci, Mip. Au revoir, Mip. Mais alors, ce sont de fausses cartes d'alimentation? Nous n'avons jamais rien fait d'illégal. Tu sais, à partir d'aujourd'hui, nous vivrons un peu en dehors de la légalité. Ce n'est pas vraiment le marché noir. Ce serait plutôt un marché parallèle pour aider les centaines de personnes qui se cachent à Amsterdam. C'est la Westertoren. Je dois me dépêcher. Il faut que je sorte d'ici et que je sois au bureau avant que les ouvriers arrivent. Et Mip, ou moi, ou tous les deux, nous viendrons chaque jour vous apporter de la nourriture, des nouvelles aussi, et ce dont vous aurez besoin. Ah, il faudra leur dire pour le bruit. Oui, je le ferai. Au revoir, à ce soir. Au revoir, Monsieur Kraler. Merci, Monsieur Kraler. Je reviendrai après le départ des ouvriers. Au revoir, Monsieur Kraler. Comment vous remercier? Ah, si on m'avait dit... Si on m'avait dit un jour qu'un homme comme Monsieur Frank serait obligé de se cacher. Quand on y réfléchit. Si on ôtait notre garde-robe, qu'en dites-vous? Oh oui. Ce qui m'étonne, c'est qu'on ne se soit pas fait arrêter en venant. Petronella et son manteau de fourrure en juillet, moi avec ça, et le chat de Peter qui a miaulé tout le long du chemin. Un chat? Oh, je t'en prie. T'inquiète pas, j'en ai encore trois. Maintenant, pour le bruit. Tant que les ouvriers sont dans le bâtiment du dessous, il doit y avoir un silence complet. C'est essentiel. Le moindre petit bruit, le moindre pas peuvent être entendus dans les bureaux, mais aussi aux ateliers. Les hommes arrivent environ à 8h30 et ils s'en vont vers 5h30. Il faudra observer un silence absolu de 8h du matin jusqu'à 6h du soir en évitant de nous déplacer, sauf quand ce sera nécessaire. Et de toute façon, sans chaussures, ça va de soi. Nous ne devrons parler que par chuchotement et nous ne devrons pas faire couler d'eau, ni utiliser l'évier, ni même, pardonnez-moi, les cabinets. Les tuyaux traversent l'entrepôt. Cela s'entendrait. Ne jamais jeter. Ne jamais jeter vos ordures par les fenêtres. Car elle pourrait révéler notre présence dans ce grenier, pas même une épluchure de pommes de terre. Nous devrons tout brûler dans le poêle la nuit. C'est de cette façon qu'il faudra vivre jusqu'à ce que ce soit fini. Si nous voulons survivre. Jusqu'à ce que ce soit fini. Et après 6h, nous pourrons bouger, rire et parler tout notre sou, jouer à des jeux tous ensemble et aussi lire comme nous le ferions chez nous. Et maintenant, je crois qu'il serait sage d'aller dans nos chambres et d'essayer de nous installer avant 8h. Madame Van Damme, vous et votre mari, vous êtes en haut. Je regrette qu'il n'y ait pas de place pour Peter là-haut, mais il sera plus à l'aise ici, près de nous. Oh, où allez-vous dormir, vous et Madame Frank? Oh, cette pièce est aussi notre chambre à coucher. Oh non, vous ne devriez pas. Non, non, nous pouvons très bien dormir en bas. Non, je vous en prie. Vous êtes chez vous, croyez-moi. J'y ai réfléchi pendant des semaines. C'est le meilleur arrangement. Attention, les filles. C'est la seule solution. Ah. Eh bien, c'est là. C'est pas très luxueux, mais vu les circonstances. Oh, Monsieur Frank. Je ne sais pas ce qui nous serait arrivé si vous n'aviez pas été là. Oh, vous n'avez aucune idée de ce que votre mari a fait pour moi quand je suis arrivé en Hollande. Je ne connaissais personne et je ne parlais même pas le hollandais. Anneke, Anneke, viens, viens. Peter, tu n'auras pas peur. Je t'en prie, maman. Toi aussi, il faut que tu te reposes, Edith. Tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Et toi non plus, Margot. Moi, j'ai bien dormi. C'est bizarre. Je savais que c'était ma dernière nuit dans ma chambre et pourtant j'ai bien dormi. Tant mieux, tant mieux, tant mieux.
Allons ranger ça. Toi et Margot, allez vous reposer dans la chambre des filles pour l'instant. Non, je vais rester ici, je me reposerai plus tard. Anne n'a pas eu son lait. Oui, je vais le lui donner. Anne, Peter, enlevez vos chaussures maintenant, sinon vous allez oublier. Dans quelle école tu es? Au lycée juif. Tiens, mais c'est notre lycée à nous aussi. C'est bizarre que je t'ai jamais vu. Moi, je t'ai vu plusieurs fois. Ah oui? Oui, dans la cour. Et t'étais toujours au milieu d'un groupe d'enfants. Pourquoi n'es-tu jamais venu dire bonjour? Oh, tu sais, moi, je suis un solitaire. Qu'est-ce que tu fais? Je l'enlève. Tu n'y penses pas? Ils vont t'arrêter si tu sors sans ton étoile. Qui parle de sortir? Tu as raison. C'est vrai qu'on n'en aura plus besoin maintenant. J'aimerais voir la réaction de nos amis quand ils verront qu'on n'est plus là. Je n'avais rendez-vous avec personne. Moi, si. J'avais rendez-vous cet après-midi avec Yopi. On devait aller jouer au ping-pong chez elle. Tu connais Yopi Deval? Non. C'est ma meilleure amie. Qu'est-ce qu'elle va penser si elle téléphone et que personne ne répond? Elle ira probablement voir à la maison. Elle va se poser des questions. On a tout laissé comme si on nous avait appelés d'urgence. La vaisselle dans l'évier, les lits défaits. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais la brûler. C'est quand même bizarre. Mais je ne peux pas me résoudre à la jeter. Tu vas la garder? C'est avec ça qu'ils t'ont marqué au fer rouge. Ils t'ont forcé à la porter et ils t'ont craché dessus. Oui, oui, je sais tout ça. Mais c'est quand même l'étoile de David. Et voici ta chambre. Mais je te préviens qu'il ne faut pas grandir d'un pouce, c'est hors de question. Ou il faudra que tu dormes les pieds dans la lucarne. Est-ce que tu as faim? Non. Nous avons du pain et du beurre. Non, merci. Non, on le gardera pour ton déjeuner. Et ce soir, tu verras qu'il y aura un vrai souper. Ce sera notre premier souper, tous les sept. Merci. Et merci. Un gentil garçon, ce Peter. Sauf qu'il est tellement timide. Oh, je suis sûr que vous vous entendrez. En tout cas, espérons-le, puisque c'est le seul garçon que je vais côtoyer pendant des mois et des mois. Anne, regarde la boîte qui est là. Ouais, tu n'as qu'à l'ouvrir. Tu sais l'impression qu'on a dans cette annexe? On se croirait dans une pension de famille. Une pension de famille un peu spéciale, bien entendu. Papa, mes vedettes de cinéma, je me demandais où elles s'étaient passées. Et la reine Wilhelmine, c'est merveilleux! Et ce n'est pas tout. Continue. Continue à chercher. Un journal! Oh, merci, merci! J'ai jamais eu un journal et j'ai toujours rêvé d'en avoir un. Un crayon. Pour écrire... Un crayon. Un crayon. Oh, je descends au bureau chercher un crayon. Anne, non! Mais les ouvriers ne sont pas encore ça là. Ça ne fait rien. Anne, tu ne dois jamais franchir cette porte, tu entends? Jamais? Jamais. Je peux pas descendre au bureau non. La nuit ou le non. Dimanche? Non. Je peux même pas descendre écouter la radio? Jamais, je suis désolée, Anne, c'est trop dangereux. Sous aucun prétexte, tu ne dois franchir cette porte. Je vois. Je suis désolée, Anne, okay. Je sais que ça va être dur pour toi, mais n'oublie jamais ceci. Il n'est pas de verrou, il n'est pas de mur, ni de serrure qui ne puisse jamais enfermer ton esprit. Mip nous apportera de quoi lire. Nous ferons de la poésie, de l'histoire, de la mythologie. Tiens, voilà ton lait. Et à dire la vérité, si tu y réfléchis bien, rester ici présente certains avantages pour toi. Par exemple, tu te souviens de cette dispute que tu as eue l'autre jour avec ta mère quand elle t'a dit de mettre tes galoches. Tu disais que tu aimerais mieux mourir que de porter des galoches et tu as fini par les porter malgré tout. Alors tu vois, tant que nous resterons ici, tu ne seras pas obligé de porter des galoches. C'est bien, non? Et le piano, dis donc, tu n'auras plus à faire tes arpèges chaque matin. Je te le dis, ça va être la belle vie pour toi.
je suppose que je devrais essayer de décrire ce qu'on éprouve quand on doit vivre caché. Mais je ne sais pas encore moi-même ce que c'est. Le jour, ce n'est pas si mal. Au moins, nous savons que Mip et M. Kraler sont juste en dessous, dans les bureaux. Nos protecteurs, c'est ainsi que nous les appelons. J'ai demandé à Père ce qui leur arriverait si les nazis découvraient qu'ils nous avaient cachés. Pi m'a dit qu'ils subiraient le même sort que nous. Tu te rends compte? Nous sommes ici depuis bientôt 2 mois. Tout le monde essaie de faire pour le mieux. Même maman, qui peut être insupportable. Elle s'obstine à me traiter comme un bébé. Je lui en veux terriblement. Tout va bien, le dernier ouvrier vient de sortir. Oui! Ah, oh, je suis la première pour les cabinets. Il est 6 heures, la classe est terminée. Où sont passées mes chaussures? Tes chaussures? C'est toi qui les as prises, je le sais. Écoute, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu vas le regretter. Ah oui? Rends-moi mes chaussures. Allez, rends-moi mes chaussures. Aïe! 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 Arrête! Aïe! Mais arrête! Peter! Peter, où vas-tu? Viens danser avec moi. Je t'ai déjà dit que je ne savais pas danser. Je vais t'apprendre. Je vais faire dîner mon chat, ça te va? Oh, je peux venir? Il n'aime pas qu'on le regarde quand il dîne. Oh, je t'en prie, non. Peter. Anne, ma chérie, je crois que tu ne devrais pas jouer comme ça avec Peter. Tu manques de dignité. Et alors, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Franchement, tu crois que j'ai envie d'être digne? Tu te plains que je ne te traite pas comme une grande personne, mais quand je le fais, tu m'en veux. Tout ce que je veux, c'est pouvoir m'amuser, pouvoir rire et faire le clown avec quelqu'un. Quand on reste assis toute la journée sans bouger, on peut bien s'amuser de temps en temps. Ah, mais Peter, j'ai du mal à le comprendre. Il n'a pas l'habitude des jeunes filles, il faut lui laisser le temps. Le temps? 2 mois, ça devrait lui suffire, non? Ah, j'en pleurerais. Viens, Margot, viens, danse avec moi. Je dois aider à préparer le souper. Mais tu vas finir par oublier tous tes pas. Quand on sortira d'ici, on ne saura plus danser. Tiens. Da-dam, 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 dam, dam, da-dam, 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 dam, dam, da-di, da-da, da-di, dam, dam, da-di, da-da, da-di, dam, dam, da-dam, au suivant. Dam, dam, oh, où est Peter? À votre avis? Oh, ce qui veut dire qu'il n'a pas fini ses devoirs. Oh, son père sera furieux s'il apprend qu'il est encore là-bas avec son chat. Et ses devoirs qui restent à faire. Oh, Anne, Anne, va lui dire de sortir, tu veux? Peter! Peter! Et qu'est-ce qu'il y a? Ta mère a dit que tu dois nous rejoindre. Mais je fais manger le chat. Tu sais ce que ton père dit toujours. Mais enfin, je ne me suis pas occupé de Mouchi depuis le déjeuner. J'aime autant te prévenir au cas où. Je vais le nourrir. Je ne veux pas que tu entres. Peter. Bon, donne-lui son dîner et ressors tout de suite, c'est compris? Oh, Peter, c'est comme ça qu'on parle à sa petite amie. Mère, pour l'amour du ciel, je t'en prie, arrête de parler comme ça. Oh, il est rouge comme une pivoine. Et c'est faux. Il est rouge. Laisse-moi tranquille. Oh, pourtant, c'est très mignon, il n'y a pas de honte. Hein? Oh, Peter. Il n'y a pas de honte à avoir une bonne amie à ton âge. Tu es folle, elle n'a que 13 ans. Alors, et puis, tu as 16 ans, c'est parfait tout ça. Oh, ton père a 10 ans de plus que moi, le pauvre. Oh, Peter, Peter. Oh, je vous le dis, monsieur Frank, si cette guerre dure longtemps, on finira tous par être de la même famille. Mazel tov. Bonsoir, mesdames et messieurs. Pardonnez-moi si je ne reste pas longtemps, mais j'ai un ami qui m'attend dans la mansarde. Mouchi, mon grand ami, un superbe félin. Nous nous ressemblons, dit la légende, mais ce cher Mouchi a de magnifiques moustaches, tandis que moi, je n'ai qu'un tout petit duvet. Mais avec le temps, d'accord, peut-être... Madame Coin-Coin. Peter! Oui, je suis au courant du surnom que Monsieur Smithers t'avait donné, Madame Coin-Coin, et il t'a même donné un sujet de composition. Coin-Coin, dit Madame Coin-Coin. Eh bien, continue, dis-leur la suite.
C'était si bien écrit qu'il l'a lu devant toute la classe. Et il l'a même lu devant toutes ses autres classes. Quoi, 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 quoi. Oh, tu es le garçon le plus intolérable, le plus insupportable que j'ai jamais rencontré. Quand je pense à tous les garçons de la ville, pourquoi dois-je être enfermé avec quelqu'un comme toi? Quoi, 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 quoi. Et ne t'avise plus d'entrer dans ma chambre. Quoi, 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 quoi. Nid n'est pas là? Non, les ouvriers viennent juste de sortir. Qu'est-ce qu'on mange? Des haricots. Oh, non encore. Oh, pauvre Pouty, je sais, oui. Mais on n'y peut rien, c'est tout ce que Mip nous apporte. Nous sommes en plein dans ce que l'on appelle le cycle des haricots. Des haricots bouillis, du ragoût aux haricots. Des haricots avec des fils, des haricots sans fils. Je t'ai vu en train de jouer avec ce chat. Mais non, il vient d'y aller il y a quelques secondes pour ranger ses habits. Il a passé l'après-midi à faire ses devoirs. Mais je t'assure. Madame Van Damme, je peux essayer votre manteau? Oui, oh oui. Oh non, mais ça fait rien. Non, il faut faire très attention. Oh, mon père me l'a donné un an avant de mourir, le pauvre. Oh, 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 oh. Il me faisait toujours des cadeaux les plus chics, les plus chers. Madame Van Damme, vous aviez des tas de prétendants avant de vous marier. Oh, Angélie, là, tu as posé une question indiscrète. C'est impoli de poser des questions indiscrètes. Oh, ça ne fait rien. Oh, tu sais, notre maison fourmillait de prétendants. Quand j'étais jeune fille, oh, j'avais... Oh, Seigneur, tu recommences. Oh, tu vas te taire, enfin. Un été, nous avions loué une belle maison à Hilversum. Et les garçons se pressaient autour de moi comme des abeilles autour d'un pot de confiture. Oh, oh, j'avais 16 ans et nous portions des jupes très courtes cette année-là. J'avais de très belles jambes. Oh, d'ailleurs, elles le sont toujours. Je ne suis peut-être pas aussi jolie que dans le temps, mais j'ai toujours de belles jambes. Tu peux les ranger, on les a vues. Oh. Mère, je t'en prie, enfant. Oh, je te fais rougir, c'est ça. Oh. Eh bien, espérons que la fille que tu épouseras en aura d'aussi jolie. Oh, mon père se faisait beaucoup de soucis pour moi. Il y avait des jours avec tous ces beaux garçons qui étaient là. Oh, il me disait, si l'un d'entre eux te manque de respect, il faut lui dire, vous semblez oublier, monsieur, m'as-tu vu? Vous semblez oublier que je suis une dame. Vous semblez oublier, monsieur, m'as-tu vu? Vous semblez oublier que je suis une dame. Oh, Anneke. Qu'est-ce qu'il peut me parler comme ça devant elle? Tu ne sais pas qu'elle écrit tout dans son satané journal. Mais quel important, je ne dis que la vérité. Et montrer tes jambes, mais tais-toi donc. S'il te plaît, Peter, tu peux aller t'installer sur le divan. Oui. Mip écoute sûrement la radio. Tu n'as pas encore fini? Non. À ta place, moi, j'aurais honte. D'accord, c'est vrai, tu as raison, je suis un bon à rien. Mais pourquoi continuer alors? Non, tu n'es pas un bon à rien, il ne faut pas dire ça. C'est simplement que tu n'as personne pour t'aider, alors que les deux filles... Peut-être que si vous l'aidiez, monsieur Frank. Oh, je suis sûr que son père ne... Non, 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 pas moi. Je ne peux rien faire avec lui, ne m'écoute pas, essayez si vous voulez. Eh bien, qu'en penses-tu, Peter? Est-ce que tu veux que notre école devienne une école mixte? Vous êtes un ange, un ange! Oh, si seulement je vous avais rencontré avant de rencontrer ce zouave-là. Oh, pousse-toi un peu, Peter, et tâche de bien écouter ce que dira monsieur Frank. Oui, je crois que peut-être il vaut mieux continuer dans la chambre de Peter. Oh, d'accord, alors Peter, écoute bien ce que monsieur Frank dira, parce que monsieur Frank est un homme très cultivé. J'entends un homme qui parle en bas. On n'a déjà pas assez de place, il faut que tu te vautres par terre. Si tu ne fumais pas autant, tu serais sûrement meilleur humeur. Est-ce que je fume, dis-moi, est-ce que je fume? Tu ne vas pas me dire que tu as fumé toutes tes cigarettes? Un paquet, Mip ne m'a donné qu'un paquet. De toute façon, c'est une sale habitude et c'est l'occasion rêvée d'arrêter. Non, je t'en prie. Tu sais que tout notre argent est parti en fumée. Je te rappelle que toutes nos économies sont passées en cigarettes. Mais tu la fermes! Qu'est-ce que tu regardes? Je n'avais jamais vu de dispute entre grandes personnes. Je croyais que seuls les enfants se disputaient. Ce n'est pas une dispute. C'est une discussion. Et je n'ai jamais vu d'enfant aussi mal élevé que toi. Moi, mal élevé? Anne, chérie, tu peux m'apporter mon tricot? Il faut que je me rappelle quand Mip viendra de lui demander quelques pelotes de laine. J'ai besoin d'épingles à cheveux. Et de savon. J'ai fait une liste. Est-ce que tu as des livres à rendre à Mip? C'est à se demander si Mip arrive à avoir un peu de temps pour elle avec toutes les courses qu'on lui fait faire. Mip, s'il vous plaît, allez chercher de l'amidon.
Et puisque vous y êtes, emmenez mes cheveux chez le coiffeur. Racontez-nous ce qui se passe dehors, Mip. Vous savez qu'elle est fiancée. Il s'appelle Dirk et Mip a peur que les nazis décident de l'enrôler pour le travail obligatoire en Allemagne. C'est ce qu'ils font avec les jeunes Hollandais. Ils les ramassent en pleine rue, figurez-vous, et quand ils sont... Tu peux rester tranquille pendant 5 secondes. Essaye, seulement 5 secondes. Anne, tu veux finir ton lait, s'il te plaît? Je n'ai jamais vu une enfant jacasser comme ça. Où j'ai mes mains? Tous les soirs, c'est la même chose. Elle piaille, elle piaille, elle piaille. Où je l'ai donc mise? Qu'est-ce que tu cherches encore? Mais ma pipe! Est-ce que tu aurais vu ma pipe? Sans tabac, je ne vois vraiment pas à quoi elle te sert. J'aurais au moins quelque chose à me mettre dans la bouche. Margot, tu as vu ma pipe? Elle était sur la table hier soir. Je sais, je sais. Anne, tu as vu ma pipe? Anne? Anne, chérie, monsieur Van Damme t'a posé une question. J'ai le droit de parler maintenant? Tu es la fille la plus... C'est la plus... Au fond, tu n'es qu'une enfant pourrie gâtée. Ce qu'il te faudrait, c'est une bonne fessée. Vous semblez oublier, monsieur Mathieu, vous semblez oublier que je suis une dame. Anne, je t'en prie. Pourquoi tu ne peux pas être gentille et bien élevée comme ta sœur Margot? Pourquoi tu te donnes en spectacle du matin au soir? Je vais te dire une chose, ma fille. Les hommes n'aiment pas du tout ces manières chez une femme, tu le savais. Un mari veut que sa femme l'écoute de temps en temps, qu'elle soit fière de son foyer, qu'elle affique son plancher, que ça brille, qu'elle lui donne des bons petits plats et qu'elle remplisse ses chaussettes. Plutôt me trancher la gorge. Oui, plutôt m'ouvrir les veines. Je veux être remarquable. Je veux aller à Paris. Paris. Étudier la musique et là. Oui, c'est ça. Je veux devenir une danseuse très connue, une chanteuse ou autre chose de merveilleux. Oh. Oh, regarde ce que tu as fait. Espèce de maladroite. Non, mais tu es folle. Oh, ma belle fourrure. Oh, mon père qui me l'avait. Tenez, je suis vraiment navrée. Oh, ça fait bien égal. C'est parti, alors tu renverses du lait dessus. Oh. Non, mais tu as idée de ce que ça coûte. Tu en as idée. Oh, non, mais regardez-moi ça. Oh, ne frottez pas. Je suis vraiment, vraiment navrée. Je pourrais te tuer. Oh oui, je pourrais te tuer pour ce que tu as fait. Détrenez-la. Vite, reviens, le souper. Reviens. Oh, Anne. Anne, chérie, il faut vraiment que tu changes de comportement. Ce n'est pas de ma faute, non, non, je ne parle pas de ça. Je parle de ton insolence. Tu ne dois pas répondre. Ce sont nos invités. Nous devons toujours nous montrer très courtois envers eux. Écoute, nous vivons une situation tendue et difficile. C'est pourquoi il faut essayer de nous contrôler tout ce temps que nous sommes. Tu ne vois pas Margot se disputer avec eux, que je sache. Elle est toujours très polie, jamais familière. Elle garde ses distances et elle se fait respecter, tu comprends? Pourquoi ne pas essayer de faire comme elle? Ah oui, pour me faire marcher sur les pieds tout le temps? Non, merci alors. Non, merci. Je ne m'inquiète pas pour toi. Personne n'ose te marcher sur les pieds, Anne. Je m'inquiète plutôt pour les autres. C'est toi qui domines ton monde. Et je ne sais pas ce qui t'arrive ces temps-ci, Anne. Tu es si sauvage, tu es si volontaire. Tu sais, si j'avais parlé à ma mère de la façon dont tu me parles... Dieu merci, les choses ont changé. Les rapports entre mère et fille ne sont plus comme avant. Oui, mère, non, mère, tout ce que vous voudrez, mère. Je dois me battre pour obtenir ce que je veux dans la vie. Me battre pour réussir quelque chose de valable. Mais il n'est pas nécessaire de se battre comme une lionne. Margot n'en a pas besoin et elle... Margot, 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 Margot! C'est tout ce que vous trouvez à me dire du matin au soir. Margot est merveilleuse. Pourquoi tu n'es pas comme Margot? Écoute, Anne, ne te mets pas dans cet état. Formidable. Tout ce que moi je fais, c'est mal. Je suis votre bouc émissaire et vous êtes tous contre moi. Ce n'est pas vrai, Anne. Et la pire de tous, c'est toi. Je ne sais pas si nous allons pouvoir continuer à vivre de cette façon. Je ne peux plus rien dire à Anne. Elle se fâche tout de suite. Oh, tu la connais. Elle reviendra dans une demi-heure et elle se remettra à plaisanter. Ces deux-là, j'avais pourtant dit à ton père que ça ne marcherait pas, mais il a insisté, il a dit qu'il leur devait bien ça. Maintenant, il se rend compte que j'avais raison, il se querelle et se dispute sans cesse. Oh. Oh, chaque fois que j'entends la sonnette, mon cœur s'arrête tout d'un coup. Tout va bien. C'est Mip. Père, Mip est là. Oh, merci, Margot. Tout le monde a sa liste. Je vais chercher mes livres. Mip est ici. Ah, enfin, je vais avoir mes cigarettes. Oh, je suis sincèrement désolée pour le manteau de Madame Van Damme. Anne n'aurait jamais dû y toucher. Bon, elle s'en mettra. Et puis-je faire quelque chose pour vous? Mais ne vous inquiétez pas. Monsieur Kraler. Bonjour. Comment allez-vous, Monsieur Kraler? Très bien, merci. C'est une surprise. Avec Monsieur Kraler, c'est le soleil qui entre dans la pièce. Mais pas venir. Et pas ce soir. Voulez-vous boire un petit café? Ou mieux encore, voulez-vous rester dîner avec nous? Non, merci. Monsieur Kraler a quelque chose d'important à nous dire.
La vie d'un homme est en danger, il faut tout de suite prendre une décision. Oh, qu'est-ce que c'est? En général, quand je viens ici, j'essaie de ne vous apporter que de bonnes nouvelles. Mais aujourd'hui, il y a du nouveau. Dirk, le fiancé de Mip, est venu me voir. Il m'a dit qu'il avait un ami juif qui habitait près de chez lui, un dentiste. Il a des ennuis et Dirk m'a supplié de faire quelque chose pour ce monsieur, d'essayer de lui trouver une cachette. C'est pour ça que je suis là. Pouvez-vous l'accueillir ici? Bien entendu. Ce n'est que pour une nuit ou deux, jusqu'à ce qu'on lui trouve une cachette. C'est arrivé si soudainement, je ne savais pas quoi faire. Où est-il? En bas, il attend votre décision. Dites-lui de monter. Il s'appelle Dussel. Yann Dussel. Dussel? Oui, je vais le chercher. Pardonnez-moi, j'ai parlé sans vous consulter. Vous êtes chez vous. Vous avez le droit de faire exactement ce qui vous plaît, bien sûr, mais ce qui me chiffonne, c'est qu'on a déjà si peu à manger, alors une autre personne... Il va falloir se serrer la ceinture, ce n'est que pour un jour ou ça, je ne parlerai pas là-dessus. Écoute, nous sommes prêts à l'accueillir, ça va de soi. Mais Otto, où va-t-il dormir, cet homme? Il peut coucher dans mon lit, moi je dormirai par terre, ça m'est égal. Oui, c'est très gentil à toi, Peter, mais ta chambre est trop petite, même pour toi. J'ai une idée. Je vais dormir ici avec toi et maman, et Margot dormira chez Peter, et Peter ira dans votre chambre avec Monsieur de Sœur. Oui, en effet, ça peut se faire. Non, 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 Margot, il ne faut pas dormir dans cette chambre, ni toi, ni Anne. Mouchi a attrapé des rats là-haut. Peter est un garçon courageux. Attendez, j'ai une meilleure idée. Je dors ici avec toi et maman, et Monsieur de Sœur dort dans mon lit. Non, non, Margot va venir dormir ici avec nous, et comme ça, Monsieur de Sœur pourra avoir son lit. C'est la seule solution. Margot, veux-tu déménager tes affaires? Anne, va l'aider, s'il te plaît. Pourquoi Margot? Pourquoi je peux pas dormir ici? Parce que ce serait incorrect que Margot dorme... Eh bien, moi, je ne trouve pas ça juste. Ne discute pas, Anne, je t'en prie. Anne, tu veux bien partager ta chambre avec Monsieur Dussel? Oui, bien sûr que oui. Entrez, Monsieur Dussel. Voici Monsieur Frank. Monsieur Otto Frank? Oui, laissez-moi prendre vos affaires. Je vous présente ma femme, Edith. Monsieur Dussel. Voici monsieur et madame Van Damme. Oh, bonjour, monsieur. Leur fils, Peter. Et mes deux filles, Margot. Bonjour, monsieur. Et Anne. Merci, monsieur Frank. Monsieur Dussel, je vous laisse en bonne main. Le manteau de Dirk. Je ne sais comment vous remercier. Monsieur Kraler et Mip sont notre sauvegarde. Sans eux, nous ne pourrions pas vivre. Non, non, je vous en prie. Ce que nous faisons n'est pas si héroïque. Loin s'en faut. C'est simplement que nous n'aimons pas les nazis. Nous n'aimons pas leur méthode, nous n'aimons rien de ce qu'ils représentent. Je sais, personne ne va nous faire la leçon à nous autres Hollandais sur la façon dont il faut traiter nos Juifs. Il m'en fait plus que ça. Ne faites pas attention à Monsieur Frank. Nous remonterons demain voir si on ne vous maltraite pas. Pas la peine de redescendre. Peter, verrouillez la porte après moi. Oui, monsieur. Non, Peter, je vais le faire. Merci. Merci. Bonsoir, monsieur Kraler. Bonsoir, monsieur Kraler. Monsieur Dussel, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je crois rêver. Je rêve. Je n'en crois pas mes yeux, vous savez. Monsieur Otto Frank, ici. Vous n'êtes donc pas en Suisse? Une femme m'a raconté, elle a dit qu'elle était allée dans votre maison et que la porte était ouverte, vos affaires étaient en désordre. Et elle a dit qu'elle avait trouvé un morceau de papier dans la corbeille avec une adresse écrite à la hâte, une adresse à Zurich. Elle en a déduit que vous aviez pris la fuite pour Zurich. Père l'a jeté intentionnellement, pour qu'on croie à cette version des faits. Ça a marché, Pim. L'adresse que tu as gribouillée, Monsieur Dussel, dit que tout le monde pense que nous sommes en Suisse. Tant mieux. Prenons un petit verre pour accueillir Monsieur Dussel. Tiens. À Monsieur Dussel. Nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous. À Monsieur Dussel, bienvenue. Oh, bienvenue. Soyez le bienvenu, Monsieur Dussel. Oh, c'est bon, allez, prends-en un peu. Vas-y, un petit peu. Monsieur Kraler vous a prévenu qu'il y a peu à manger ici. Vous vous rendez compte? Trois cartes d'alimentation pour nous sept et maintenant pour huit. Poutu. Et ben quoi? Monsieur Van Damme, vous n'avez aucune idée de ce qu'est devenue la vie au dehors pour me dire une chose pareille. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe?
Ici même à Amsterdam, tous les jours, des centaines de juifs sont emmenés. Des gens que nous connaissons tous, les Hallenstein, les Wessel. Oh non, non. On reçoit l'ordre de se présenter au théâtre juif tel jour et à telle heure en prenant ce qu'on peut porter et un sac à dos. Si on refuse de se présenter, ils viennent vous arracher à votre maison et vous expédier à Mauthausen, le camp de la mort. Vous connaissez les Deval? Vous savez ce qui leur est arrivé, leur fille Youpi est ma meilleure amie. Déportée. Hein? Avec tous les autres. Oh non! Oh, et la famille Wagner? Ce sont nos voisins. Je crois qu'il faut remettre cette discussion à plus tard. Je suis sûr que M. Dussel aimerait s'installer avant le dîner. Oui, avec plaisir. J'ai apporté très peu de choses avec moi. Je suis navré de ne pouvoir vous offrir une chambre tout seul. J'espère que vous y serez à l'aise. Nous devons suivre un règlement et des horaires très stricts. Après dîner, nous allons en parler, Anne. Voulez-vous me suivre, M. Dussel? Pardonnez-moi si je vous ai pas encore exprimé ma gratitude du fond du cœur. Ça a été un tel choc pour moi. Je m'étais toujours considéré comme hollandais. Je suis né en Hollande. Mon père est né en Hollande et mon grand-père aussi. Et maintenant, après tant d'années... Enfin, oui, excusez-moi. Eh bien, nous y voilà. Vous partagerez cette chambre avec moi. Je suis quelqu'un qui a toujours vécu seul. Je n'ai jamais dû m'adapter aux autres. Ne soyez pas trop dur avec moi les premiers temps. Attendez, je vais vous aider. Vous avez toujours vécu tout seul, ça alors? Et vous n'avez plus de famille du tout? Non. Ça doit être affreux. La solitude doit être dure à supporter. Aussi habituée. Oh, bon, je pourrais jamais m'y faire, j'en suis sûre. Mais vous n'avez pas d'animal, un chat ou un chien? J'ai une allergie aux animaux à fourrure. Ils me donnent de l'asthme. Oh, Seigneur. Peter a un chat. Il a un chat ici. On le voit très très rarement. Il l'enferme constamment dans sa chambre. Je suis sûre que tout ira bien. Oui, espérons-le. En fait, ça s'est plutôt mal passé. Et ce n'était pas seulement à cause de Mouchy. C'était moi et Monsieur Dussel. La vie n'était qu'une succession de querelles. Rien de ce que je faisais, ni de ce que j'étais, ne trouvait grâce à ses yeux. Que ce soit mon allure, ma façon d'être, mes manières... Je crois qu'un jour, je vais lui donner une claque retentissante qui le fera sauter au plafond. Sa fraise électrique lui manque beaucoup. Il a très peur de perdre la main. Non! Non, laissez-moi! Non, je ne veux pas! Laissez-moi! Non! 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 Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Non! Et pour l'amour du scalté, toi, ils vont nous entendre. Non. Chut. Anne, ma chérie, voyons. Non, calme-toi, non. Mon enfant. Soyez gentil. Allumez la lumière, monsieur Dussel. Voilà, voilà, ce n'est rien. Ce n'était rien qu'un vilain cauchemar. Mais c'est un cauchemar. Écoutez, il faut faire quelque chose pour cet enfant, madame Franck. Hurler la nuit. Et s'il y avait une patrouille dans la rue? Elle met nos existences en danger. Monsieur Dussel, retournez vous coucher. Anne va se reprendre. Laissez-lui une minute ou deux. N'est-ce pas, Anne? Je m'en vais au cabinet. Le seul endroit où l'on ait la paix. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Un cauchemar. Elle a eu un cauchemar. Ah, oh, j'ai cru qu'on l'assassinait. Malheureusement, non. Oh. Anne, je vais m'asseoir ici. Ici, tout près de toi, jusqu'à ce que tu te rendormes. Ce n'est pas nécessaire. Mais je veux m'asseoir avec toi. Je le veux, c'est vrai. Je ne préfère pas. Alors, bonsoir. Ça va aller? Tu veux autre chose?
S'il te plaît, demande à papa de venir. Oui, bien sûr. Ça va. Dieu merci. Au moins, elle se tourne vers toi quand elle a besoin de réconfort. Va la voir, Otto. Elle tremble de peur. Va vite la voir. Je me déçois tous les jours davantage, tu sais. Je croyais avoir enfin surmonté ma frayeur. Je croyais enfin être devenue une grande personne. Et puis j'ai eu un cauchemar et je cours dans tes bras comme un petit bébé. Je t'aime tant, si tu savais. À part toi, je n'ai personne d'autre. Je suis content de savoir que tu m'aimes. Mon vœu le plus cher serait que tu dises à ta mère que tu l'aimes aussi. Nous n'avons pas d'atome crochu, je n'y peux rien. L'ennui, c'est qu'elle ne comprend pas. À chaque fois que j'essaie de lui expliquer mes opinions sur la vie, elle est inquiète et elle me demande si je suis constipée. Oui, mais tu lui as fait énormément de peine. Elle pleure. Oui, elle pleure. Je sais, je n'y peux rien. Bien sûr que si. Je ne lui ai dit que la vérité. Je ne voulais pas qu'elle reste ici. Oh, Pim, j'ai encore été méchante. Et ce qui est pire que tout, c'est... Je me détache et je me regarde en train de dire des choses cruelles et malheureusement je n'arrive pas à m'arrêter. Pourquoi je suis comme ça, dis-moi. Je ne sais pas. Dis-moi. Tu sais, nous pouvons si peu de choses en réalité pour aider nos enfants. Nous pouvons essayer, donner l'exemple, montrer le chemin. Le reste, c'est à toi de le faire. Il va te falloir construire ton caractère. J'essaie tout le temps. C'est vrai, je t'assure. Il y a une partie de moi qui est plus gentille, plus douce et plus attachante. Mais j'ai peur de vous la montrer. J'ai peur de la réaction des gens s'ils s'aperçoivent que j'ai un côté plus grave. Alors la méchante Anne montre ses griffes au dehors et la gentille Anne reste à l'intérieur. Et j'essaye de les alterner, mais... Je voudrais avoir la gentille Anne à l'extérieur et la méchante Anne à l'intérieur. Pour être celle que je voudrais être. Que je pourrais devenir. Si seulement. Si. Nous allumons ces lumières de Hanouka pour commémorer les grands et magnifiques exploits accomplis grâce aux ailes dont Dieu avait empli les cœurs des héroïques Maccabées il y a 2000 ans. Ils luttèrent contre l'indifférence, contre la tyrannie et l'oppression, et ils nous rendirent notre temple de prière. Puissent ces lumières nous rappeler de toujours tourner nos regards vers Dieu. De qui nous vient notre secours, oh mine. Oh mine. C'était très émouvant. Oh, c'était pas fini. Oh, asseyez-vous, asseyez-vous. Il y en a encore des chants et des cadeaux. Des cadeaux? Non, pas cette année, malheureusement. Oh, mais pour les fêtes de Hanouka, tout le monde a des cadeaux, tout le monde. Nous sommes tous là et nous sommes encore en vie. Il n'y a pas de meilleur cadeau. Là, tu trompes. Moi, j'en ai. Voilà. Oh. 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 C'est pour Margot. Lis-le tout haut. Tu veux toujours te dépasser. Tu acceptes tout sans fléchir. Mais si un jour devait venir où tu en aurais assez, voici de quoi te délasser. Oh, Anne. Un nouveau livre de mots croisés.
Où l'as-tu trouvé, Anne? Eh bien, il n'est pas tout neuf. En réalité, tu l'as déjà fait une fois. Mais j'ai tout bien effacé. Et si tu attends un mois ou deux, tu auras tout oublié. Tu pourras le refaire. Oh, c'est merveilleux, Anne. Merci. Oh, on ne dirait pas qu'il a déjà servi. Madame Van Damme. Oh, mon Dieu. Oh, je suis vraiment confuse. C'est vrai, je n'ai pas le moindre cadeau pour qui que ce soit. Oh, c'est Anne. J'en ai une idée. Oh. Tiens, regarde. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ouvrez-le. C'est du shampoing. J'ai récupéré des vieux bouts de savon et je les ai mélangés avec ce qui me restait d'autre colonne. Oh, quelle bonne idée. Oh, je voulais écrire un poème pour chacun d'entre vous, mais je n'ai pas eu vraiment le temps. Le vôtre, monsieur Van Damme, est vraiment spécial. Quelque chose qui vous manque plus que tout au monde. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Des cigarettes. Des cigarettes. Deux cigarettes. Papa a trouvé un peu de vieux tabac dans la poche de son manteau et il les a faites. Oh, allume-la, Pouty. Allez, vas-y. Oh, c'est du tabac, je vous assure. Il doit y avoir un peu de peluche dedans, mais pas beaucoup. Ça marche? Oh. Excellent. Ah. Excellent, merci. Oh. Excellent. Pour maman. Elle est bonne. Joyeux Hanukkah. Voici un engagement auquel je ne manquerai pas. 10 heures où je ferai tout ce que tu voudras. Oh. Signé Anne Frank. Oh. Vous ne le vendriez pas par hasard, Madame Frank? Jamais. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Et ça, c'est pour toi. Mais Anne, que je n'étais pas censée avoir un cadeau. C'est un cache-nez. Il est fait avec des bouts de laine. Je l'ai tricoté dans le noir toutes les nuits une fois dans mon lit. J'ai peur qu'il ne soit que joli dans le noir. Non, c'est très, très joli. Je suis sûr que ça m'ira. Parfaitement. Ah, oui. Merci, merci. Et ça, c'est pour Mouchi. Non, Mouchi a aussi un cadeau. Eh bien, au nom de Mouchi, je te remercie. Et ça, c'est pour toi. Offert par Madame Coin-Coin. Oh, qu'est-ce que c'est, Peter? Allez, montre-nous. C'est un rasoir de sûreté. Pourquoi faire? Regardez sa lèvre supérieure, il commence à avoir de la moustache. Il a besoin d'un rasoir pour ça? Qu'il mette un peu de lait dessus et qu'il laisse le chat lui enlever. Vous croyez spirituel? Regardez, il va l'essayer. Il va l'essayer. Je vais porter son cadeau à Mouchi, si vous voulez savoir. Mouchi, Mouchi, Mouchi. Et le dernier, mais non le moindre, mon compagnon de cellule. Pour monsieur Dussel. Un cadeau pour moi? Eh oui. En plus, je les ai faites moi-même. Des pilules. Deux pilules. Quoi? Médicaments, peut-être. Ce sont des boules. Oh! Des boules? Pour mettre dans vos oreilles, vous ne m'entendrez plus remuer la nuit. Je les ai vues en réclame dans un magazine. Ce ne sont pas des vraies, je les ai faites avec du coton et de la bougie. Essayez-les pour voir si vous m'entendez. Oui, je les mets. Alors? Vous êtes prêts? Et maintenant, il faut chanter. D'accord, papa? Vous connaissez ce chant, monsieur Dussel? Il donne le ton de la fête. Oh Hanouka, oh Hanouka, la fête commence. Anne, il serait malvenu d'entonner ce chant ce soir. C'est un chant de jubilation, un chant de joie. Et l'enthousiasme n'est pas de mise ces temps-ci. Papa, je t'en prie, il faut qu'on chante. Je te promets de faire doucement. D'accord, d'accord. Mais attention, je t'ai à l'œil. Dehors, dehors! Mais combien de fois il faut que je te dise? Bon sang, putain, mais qu'est-ce qu'il te prend tout d'un coup? Remets ce chat dans ta chambre. Ce chat? Tu m'entends? Remets-le, je te dis. Mais je n'ai pas de chat. Il n'y a pas besoin d'y avoir le chat. L'odeur sur ses vêtements, ça suffit. Dès qu'il entre dans la pièce... Vous inquiétez pas pour ça, on va se débarrasser de tout ça. Enfin, j'ai eu gain de cause. Je m'en fais pas pour vous, et puis tout ça, c'est dans la tête. J'en ai assez de voir ce chat manger notre nourriture. Mais tu devrais savoir que je ne lui donne que les os et les déchets que l'on jette. Oh, ne me raconte pas l'histoire, ce chat engraisse de jour en jour. Nous tous, c'est lui qui a la meilleure mine. Ce soir, il s'en ira. Non! S'il sort d'ici, alors moi aussi. Comme tu voudras. Il ne s'en ira pas et le chat restera. Qu'est-ce que tu as? Oh, pitié, c'est Hanouka, c'est la fête. Oh, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes innommable. S'il te plaît, Anne, le chant de Hanouka. Oh Hanouka, oh Hanouka. Je crois que nous devrions d'abord souffler les bougies. Comme ça, il nous en restera pour demain Mais soir. Mais papa, il faut les laisser brûler jusqu'au bout, au contraire. Je suis sûr que Dieu sait ce que c'est que la disette. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Toi qui nous as soutenus et nous a permis de nous réunir pour célébrer ce jour de réjouissance. Amen. Amen.
Je crois qu'ils sont partis. C'est la police militaire. Ils nous ont trouvés. Si c'était eux, ils ne seraient pas partis. Ils seraient déjà montés. Je sais que c'est la police militaire. Ils sont partis chercher de l'aide. Ils vont revenir. Peut-être la Gestapo. Ils cherchaient des papiers. C'était peut-être un voleur qui cherchait de l'argent. Il faut agir vite. Oh, petit, non, non, vite, non. Vite. Reste calme. Allez chercher de l'eau. Que quelqu'un aille chercher de l'eau. Non, non, non. Personne ne va chercher de l'eau. S'ils nous ont trouvés, alors le mal est fait. Va chercher de l'eau. Je vais descendre. Non, non, papa. Ils sont peut-être encore là. Ils attendent. C'est peut-être un piège. Écoute, on est samedi. On ne pourra pas savoir ce qui s'est passé jusqu'à ce que Mip ou M. Kraler viennent lundi matin. Nous ne vivrons pas deux jours comme ça. Non, n'y va pas. Doucement, chérie, doucement. Margot, reste là près de moi. Pouty, où est l'argent? Va chercher l'argent. Il paraît qu'en payant, on peut être libéré. Tant par tête. Pouty, va chercher l'argent. Pouty, tu veux qu'on te déporte dans un camp de la mort? Ils vont arriver bientôt. Ils t'emmèneront à ce pays. Oh non. Allez chercher papa. J'y vais. Tu n'en as pas assez fait comme ça. Peter. Monsieur Fandam, je vous en prie, allez chercher papa. Tais-toi. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le soutien dont j'ai besoin. Il me vient du Seigneur, qui créa le ciel et la terre. Il ne souffrira pas qu'on te force à quitter ton foyer. Celui qui te protège ne sombrera pas dans le sommeil. C'était bien un voleur. Le bruit de tout à l'heure a dû lui faire peur. Oh Dieu merci. Il a emporté la caisse et la radio et il s'est enfui si vite. Il a oublié de fermer la porte qui donne sur la rue. Il l'a laissée grande ouverte. Je crois qu'on peut allumer. Il n'y a plus aucun danger. Non. Tout danger est écarté. Comment pouvez-vous en être sûr? Je vous dis que nous sommes plus en danger que jamais. Monsieur Dussol, s'il vous plaît, restez donc tranquille. À cause de ce petit maladroit, quelqu'un sait maintenant que nous sommes là. Oui, mais qui c'est ce quelqu'un qui sait? C'est un voleur. Un voleur. Un voleur, vous croyez qu'un voleur irait trouver la police et dire « Je cambriolais une maison l'autre nuit et j'ai entendu du bruit au-dessus de ma tête. » Non, mais vous croyez qu'un voleur irait faire ça? Oui, je crois qu'il le ferait. Oh, alors, vous êtes fou. Je crois qu'un beau jour, il sera pris. Et il fera un marché avec la Gestapo. S'il le laisse filer, il leur montrera où des juifs se cachent. Papa, nous ne pouvons plus rester ici, je t'en prie, allons-nous-en. Pour aller où? Oui, pour aller où? Avez-vous perdu toute foi? Tout courage? Il y a quelques instants, nous pensions être emmenés. Nous avons cru que c'était la fin. Et nous sommes là, vivants, sains et saufs. Nous te remercions, Seigneur. Car dans ton infinie bonté, tu as de nouveau daigné nous épargner. Ran, Anne, le chant. Chante. Oh. Hanukkah, oh Hanukkah, la fête commence. Et rassemblés, nous allons retrouver l'espérance. On va tous se faire des présents, place aux réjouissances pour l'instant. Ensemble, on chante, quel que soit le sort qui nous attend. Aujourd'hui, l'on chante la fête charmante, c'est Hanouka, nous sommes contents. Aujourd'hui, l'on chante la fête charmante, c'est Hanouka, nous sommes contents. Nous sommes à l'annexe depuis un an, 5 mois et 25 jours. Il y a un grand changement pourtant, un changement en moi. J'ai lu quelque part que les filles de mon âge sont souvent désemparées. Le calme se fait en elles et elles se mettent à songer au miracle qui se produit à l'intérieur de leur corps.
Je trouve que ce qui se passe en moi est tellement merveilleux. Et chaque fois que ça m'arrive, j'ai l'impression d'avoir un doux secret. Et malgré la douleur, il me tarde de voir revenir le moment où je ressentirai de nouveau ce secret en moi. C'est Mip. Oh, allez, debout tout le monde. Mip est là. Monsieur Dussel. Peter. Oh, Mip et Monsieur Kraler, quelle merveilleuse surprise. Bonjour. Bonjour, Madame Franck, et bonne année. Nous sommes venus vous souhaiter la bonne année. Vous n'auriez pas dû venir, vous avez bien droit à une journée à vous. Ne dites pas ça, voyons, c'est si merveilleux de les voir. Oh, je respire le vent et le froid sur vos vêtements. Tiens, c'est pour toi. Oh, merci. Comment allez-vous, Margot? Vous vous sentez mieux? Oui, je vais très bien. Oh, bonjour, Monsieur Kraler. Bonjour, Mip. Et bonne année. Oh, Monsieur Kraler. Mes meilleurs vœux de paix pour le nouvel an. Oh, merci. Regardez ce que Mip nous apporte aujourd'hui. Un gâteau. Un gâteau. Je vais chercher des assiettes. Oh, c'est formidable. Vous avez sûrement économisé toutes vos rations de sucre durant des semaines. Il est magnifique, n'est-ce pas? Oh, ça fait des siècles que nous n'avons pas vu de gâteau. Monsieur Dussel, comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Dussel. Voilà un couteau libre. Alors, voyons. Combien sommes-nous en tout? Non, merci. Oh, non, pas pour moi, merci. Bon. Mais alors, ça fait 1, 2, 3. Ça fait 7. On est 7, là. 8. Vous oubliez que nous sommes toujours. Non, mais j'ai pas compté Margot. J'ai cru qu'elle n'en voudrait pas aujourd'hui. Tiens, mais pour quelle raison? Ça peut pas lui faire de mal. Bon, très bien. Je voulais éviter qu'elle ne recommence à tousser, c'est tout. Mieux vaut que Mme Franck partage le gâteau. Qu'est-ce que ça fait? Mais ça n'est pas son gâteau, c'est notre gâteau, n'est-ce pas, Mip? Oui, bien sûr. Madame Franck fait mieux les parts, voilà tout. Que voulez-vous dire? Laisse tomber, Liv, je coupe non, le gâteau. Est-ce que je ne donne pas toujours à chacun exactement voyons, pareil? Non, je veux qu'il me réponde. Oui, tout le monde reçoit exactement pareil, bien sûr, sauf M. Van Damme qui en soit un peu plus. Menteur! Elle fait des parts égales pour tout le monde! Je vous en prie. Voyez l'effet qu'a sur nous un petit gâteau. Il nous monte à la tête. Tenez, Madame Franck. Merci. Vous êtes sûre de ne pas en vouloir, Mip? Oui, vraiment. Mais il faut que je file. Dirk et moi allons à une réception ce soir. Oh, c'est merveilleux! Rappelez-vous les robes des femmes et le menu de la soirée, tous les petits détails, vous nous raconterez demain. Oui, je vous ferai un rapport complet. Merci, Mip. Au revoir tout le monde. Au revoir, Mip. Au revoir, Mip. Oh, Mip. Attendez, s'il vous plaît. J'ai un grand service à vous demander. Mais où vas-tu, Pouty? Mais où vas-tu, Pouty? Non, mais qu'est-ce que tu vas faire? Non, Pouty! Que se passe-t-il? Mon père veut vendre son manteau de fourrure. Elle est vraiment toquée de ce vieux manteau. Est-il possible d'être assez bête, Dieu du ciel, pour s'amouracher d'un manteau de fourrure par les temps qui courent? Ça ne vous regarde pas. Encore une sortie comme celle-là, Monsieur Dussel, je vous préviens, je... Oh, oh non! Non, je te défends, il te fait... Rends-le-moi! Oh non, commence pas! C'est juste un léger désaccord sur la nécessité de vendre cette vieille fourrure. Vous pourrez en avoir un bon prix. S'il vous plaît, vendez-le pour nous. Et puisqu'on y est, vous m'achèterez des cigarettes. La marque n'a aucune importance, autant que vous pourrez. Mais elles sont terriblement difficiles à trouver, Monsieur Fanda. Oui, je sais. Mais j'essaierai. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Mip. Au revoir, Mip. Je vous raccompagne. Monsieur Kraler. Vraiment, vous êtes sûr de ne pas vouloir de gâteau? Non, je vous remercie. Monsieur Franck, j'ai un ou deux contrats dont j'aimerais m'entretenir avec vous. Bien sûr. Est-ce que nous pouvons descendre? Qu'est-ce qui se passe? Il y a de mauvaises nouvelles, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Je veux que votre père me conseille. Il se passe quelque chose, je le sais. S'il s'agit de quelque chose qui nous concerne tous, mieux vaut que nous le sachions. C'est un des hommes de l'entrepôt, Karl. La cinquantaine, c'est trapu et myope. Il est arrivé juste au moment où vous êtes parti. Originaire d'Utrecht, je crois. Exactement. Il y a 2 semaines, il vient dans l'entrepôt. Il ferme la porte et il me demande comment va Monsieur Franck. Qu'est donc devenu Monsieur Franck? J'ai levé les yeux, je l'ai vu. Qui regardait la bibliothèque. La bibliothèque qui cache votre porte. Il me dit se souvenir qu'autrefois, il y avait une porte à cet endroit. Et là-dessus, il me réclame une augmentation. 20 florins par semaine. Un chantage. Pour 20, voilà un chantage plutôt modeste.
Vous savez ce que je pense? C'est sûrement lui le cambrioleur qui est venu l'autre nuit. Il sait que nous sommes ici. Où en êtes-vous resté? Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Enfin, que dois-je faire? Lui payer ce qu'il demande? Courir le risque de le mettre à la porte ou quoi? Je n'en sais rien. Est-ce important ce qu'il demande? Par rapport au salaire habituel, j'entends. Il aurait ce salaire dans une usine de guerre, mais je ne suis pas une usine de guerre. Mais notez que j'ignore s'il est vraiment au courant ou s'il ne sait rien. Offrez-lui la moitié dans ce cas. Ainsi nous saurons vite s'il s'agit d'un maître chanteur ou non. Et si c'en est un, il faudra payer, n'est-ce pas? Quoi qu'il demande, nous devrons le payer. Je lui offrirai la moitié. Merci. Au revoir. Ne vous en faites pas trop. Au revoir, monsieur Crane. Au revoir, monsieur. Vous pouvez dire merci à votre fils. Tombez de sa chaise, je vous le dis, ce n'est plus qu'une question de temps maintenant. J'aimerais qu'on en finisse maintenant. Marco, Marco, tu devrais avoir honte de parler comme ça, voyons. Ce n'est pas bien. Mais nous avons une chance inouïe. Pense aux milliers de pauvres gens qui chaque jour meurent à la guerre. Pense aux gens qui sont dans les camps de concentration. Ah oui? Et à quoi ça sert? À quoi ça sert de penser à la misère quand on est déjà misérable? C'est stupide. Anne! Nous sommes jeunes, Margot, Peter et moi. Vous, les adultes, vous avez déjà vécu longtemps. Mais regarde-nous! Si on se met à réfléchir à toutes les horreurs qu'il y a dans le monde, ça y est, on est perdu. On essaye de s'accrocher comme on peut à un idéal. Quand tout autour de nous, les idéaux, l'espoir, tout s'écroule, tu comprends? D'accord, Anne. C'était pas notre faute, il est en dessous, le monde. Nous n'étions pas là quand tout a commencé. Anne. Alors il ne faut pas essayer de nous mettre ça sur le dos. Alors entendre, c'est encore notre faute. On l'a voulu, cette guerre. C'est sa part. Tu l'as laissé. Merci. Tu as été vraiment sensationnel. Tu sais exactement comment leur parler. Tu sais ce qu'il faut leur dire. Et moi, j'y arrive pas, je suis à court d'idées. Tu te trompes lourdement sur mon compte. Je m'y prends très mal. J'en dis beaucoup trop. Je vais trop loin. Et je blesse beaucoup de gens. Et moi, je te trouve très bien. Enfin, ce que je veux dire, tu sais, si t'étais pas là, je sais pas. C'est vrai, Peter? C'est vrai, tu le penses? Puisque je te le dis. Merci, Peter. Le 6 mars 1944. Nous avons une mauvaise nouvelle. Nos fournisseurs de fausses cartes d'alimentation ont été arrêtés et nous avons dû réduire nos portions de nourriture. Nos ventres sont si vides qu'ils font des gargouillis et des bruits étranges. Chacun a son propre diapason. Je sens l'arrivée du printemps. Je le sens dans mon corps et dans mon âme. Je suis en plein désarroi. Je me languis. Je voudrais avoir tant de choses. Des amis, quelqu'un à qui parler, qui me comprenne, quelqu'un de jeune qui ressente ce que je ressens. Non, monsieur Dussol, je ne suis pas encore prête. Dis-moi, Anne, je peux entrer? Entre, maman. Monsieur Dussol s'impatiente, il va entrer. Dieu sait pourtant qu'il monopolise la chambre toute la sainte journée. Anne, chérie, j'ose espérer que tu ne vas pas retourner voir Peter. Si, c'est mon intention. Mais tu as déjà passé beaucoup de temps dans sa chambre aujourd'hui. J'y suis allée exactement deux fois. Une fois pour chercher un dictionnaire et puis trois quarts d'heure avant le dîner. Voilà tout. Et tu es vraiment certaine de ne pas le déranger? Maman, j'ai quand même de l'intuition. Eh bien, en ce cas, puis-je te demander une petite chose? Je t'en prie. Anne, ne ferme pas la porte derrière toi. Je crois entendre Madame Van Damme.
Non, non. Je ne veux pas insinuer que vous faites quoi que ce soit de mal. Seulement si tu voulais bien ne pas t'exposer aux critiques de ton entourage et ne pas donner à Madame Van Damme l'occasion de se montrer déplaisante. Madame Van Damme n'a pas besoin qu'on lui donne l'occasion de se montrer déplaisante. Mais nous sommes tous sur les nerfs, nous sommes inquiets pour M. Kraler et ceci vient s'ajouter au reste. Écoute, je suis désolée, maman. Je vais aller voir Peter et c'est tout. Je ne vais pas laisser Petronella Van Damme nous gâcher notre belle amitié. Installez-vous dans le salon, ce serait la solution. Cela résoudrait le problème. C'est dur pour mère d'avoir à écouter toutes ces remarques de Madame Van Damme sans dire un mot. Et pourquoi est-ce qu'elle ne dit rien? Je trouve ça ridicule de tout encaisser sans rien dire. Une petite seconde. Cher, cher Monsieur Dussel. Eh bien... me voilà prête. À la conquête de Peter. Merci énormément. Oh, mon Dieu, regardez-la. Oh, eh bien, je te demande pourquoi j'ai un fils. Je ne le vois plus. Ça lui sera bien égal que je me suicide. Attends un peu, Anne. J'aimerais m'entretenir une minute avec mon fils. Tu permets? Peter, je ne veux pas que tu restes veillé trop tard ce soir. Tu as besoin de sommeil. Tu sais que tu es en pleine croissance. Anne ne restera pas longtemps. À 9 heures pile, il faut absolument qu'elle aille au lit. Tu as compris? Oui, mère. On peut y aller? C'est à moi que tu le demandes? Ça alors, j'ignorais que j'avais toujours mon mot à dire. Tu entendras sonner l'heure au carillon. Oui, mère. Ils sont vraiment affreux, vraiment impossibles. Ils nous traitent comme si nous étions tous les deux au berceau. Laisse glisser. Moi, je laisse glisser. Bien sûr, il faut essayer de les comprendre. Ils se rappellent comme ils se comportaient à notre âge et ils ne réalisent pas que nous sommes beaucoup plus avancés qu'eux. Eh bien, dans ma jeunesse, c'était les hommes qui venaient faire leur cour aux jeunes filles. Oh, vous savez ce que c'est, les jeunes gens aiment avoir des petits secrets. Et la chambre de Peter est le seul endroit où ils peuvent discuter. Discuter? Ça ne s'appelait pas comme ça de mon temps. J'ai une attitude plus grave envers la vie maintenant. Je veux devenir journaliste, j'en ai très envie. J'adore écrire. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais aller m'installer très loin. Travailler dans une ferme, enfin sur là. Un boulot où on n'ait pas besoin d'être trop brillant. Tu ne devrais pas parler comme ça. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a un tel complexe d'infériorité. Je suis pas très brillant. Tu dis n'importe quoi. Tu es plus doué que moi pour des quantités de choses. L'arithmétique et l'algèbre. Par exemple, tu es infiniment meilleur que moi en algèbre. Tu aimes bien Margot, je crois. Dès le début, j'ai vu que tu l'appréciais. Beaucoup plus que moi, n'est-ce pas? Oh, j'en sais rien. Oh, ça m'est égal. Tout le monde apprécie Margot. Elle est si gentille, si douce, intelligente, belle. Et moi, non. Je dirais pas ça. Oh, je le sais bien. Je sais pertinemment que je ne suis pas jolie. Et d'ailleurs, je n'ai jamais été, je ne serai jamais. Je suis pas du tout d'accord. Moi, je te trouve belle. Mais non, je sais que c'est faux. Il y a autre chose. Tu as changé. Par rapport à ce que tu étais au début. Ah oui? Il y a 2 ans, je trouvais que tu discutais trop. Et maintenant, ce n'est plus pareil? En quoi est-ce que j'ai changé? Eh bien... tu es plus calme. Je suis ravie que tu ne me détestes pas. Mais j'ai jamais dit que je te détestais. D'ailleurs, quand tu sortiras d'ici, tu ne penseras plus du tout à moi. Tu es folle. Et puis, quand tu seras chez toi avec tes amis, tu te diras en riant... Mais qu'est-ce que j'ai bien pu lui trouver à cette madame Coin-Coin? Je t'ai dit que je n'avais pas d'amis. Peter, tu dois en avoir un ou deux. Tout le monde a des amis, voyons. Pas moi. Et je n'en veux aucun. Jusqu'ici, je me suis débrouillé sans.
Ça veut dire que tu pourrais te passer de moi? Je me considère comme ton ami. C'est vrai, si tout le monde était comme toi, ce serait différent. Peter? Tu as déjà embrassé une fille? Oui, une fois. La photo est de travers. Elle était jolie? Hein? La fille que tu as embrassée. Et c'est ça, j'en sais rien. J'avais les yeux bandés. On jouait à Colin Maillard, tu sais, chez des amis. Oh, en ce cas, je ne crois pas que ça compte. Ah non, pas pour moi. On m'a embrassée deux fois. Une fois, c'était un homme que je n'avais jamais vu. J'étais tombée sur la glace et il m'a embrassée en me relevant. Et une autre fois, c'était Koufoui, son ami de papa. Il m'a baisé la main. On ne peut pas dire que ça compte, ça non plus. Je ne crois pas, non. Je suis tout à fait sûre que Margot n'embrassera jamais personne, à moins que cette personne ne soit son fiancé. Et je suis sûre que Mère n'a jamais touché un seul homme avant Pim. Mais je n'en sais rien. Les choses sont si différentes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses qu'une jeune fille ne doit pas se laisser embrasser, sauf si elle est fiancée? C'est si difficile de savoir ce qu'il faut faire, quand nous sommes là, avec le monde qui s'écroule tout autour de nous, toute cette destruction, et qu'on se dit... Enfin, qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer le jour suivant. Tu dois bien avoir une opinion. Eh bien, je suppose que cela dépend de la fille. Il y en a certaines, quoi qu'elles fassent, c'est toujours déplacé. Mais il y en a d'autres, quand elles font les choses, c'est pas forcément déplacé. Et j'ai toujours pensé que quand deux personnes... Il est 9h. Je dois me sauver. Tu ne laisseras pas t'empêcher de venir me voir. Non. J'aimerais beaucoup te montrer mon journal. Il y a tellement de choses dont j'aimerais discuter avec toi. Il y en a quelques-unes qui te concernent. Quel genre de choses? Il y en a certaines que je ne veux pas que tu vois. Je croyais que tu étais un bon à rien. Exactement ce que tu pensais de moi. Tu as changé d'avis comme moi j'ai changé d'avis à ton sujet. Eh bien, tu verras. Otto! Quoi? Otto! Qu'est-ce que Otto, c'est? Viens vite!
Regarde, ils volent de la nourriture. Vous allez me donner ça? Non! Espèce de sale voleur! Volez notre nourriture! Monsieur Dussel, je vous en prie! Laissez-le! Pouty! Qu'est-ce qui se passe? Le pain! Je l'ai surpris en train de voler du pain! C'était vous! Et nous avons toujours cru que c'était les rats! Comment avez-vous pu, monsieur Van Damme? J'avais faim. Mais nous avons tous faim! Vous savez, je vois les enfants maigrir un peu plus de jour en jour. Votre propre fils, Peter, je l'ai entendu gémir de faim pendant son sommeil. Et vous venez en pleine nuit, vous volez la nourriture qui devrait revenir aux enfants. Mais il a besoin de manger plus que nous autres. Il a toujours été un très grand mangeur. Vous êtes encore pire que lui. Vous êtes une mère, vous. Et vous sacrifiez votre enfant, votre mari, Et ne croyez pas que je ne vous ai pas vu. Toujours à garder les meilleurs morceaux pour lui. Oui, je vous observais jour après jour et je me taisais, mais ça ne peut plus durer, c'est terminé. Maintenant, je veux qu'il s'en aille, je veux qu'il sorte d'ici tout de suite. Edith. Sortir d'ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? Exactement ça, faites vos valises et partez tout de suite. Tu parles sur un coup de colère, tu ne penses pas ce que tu dis. Je pense ce que j'ai dit, je veux qu'il parte. Écoute, ça fait 2 ans que nous vivons tous ensemble jusqu'à présent, nous avons réussi à vivre en paix. Nous n'allons pas tout compromettre. Je t'en prie. Je sais que ça n'arrivera plus. N'est-ce pas, monsieur Van Damme? Non. Non. Il a volé une fois et il revolera. Edith, je t'en prie, enfin, gardons notre calme. Nous allons aller dans nos chambres et après, nous nous installerons tranquillement et nous en discuterons. Nous trouverons... Non, je veux qu'il s'en aille. Vous nous mettriez comme ça à la rue? Il y a d'autres cachettes où vous pourriez aller. Oh, nous pourrions trouver une cave, un placard, mais nous n'avons plus d'argent pour payer. L'argent, je vous le donne. Oh non. Je vous le donne de ma poche. Je vous le donne avec plaisir. Monsieur Franck, une fois, vous avez dit à mon mari que vous n'oublieriez jamais ce qu'il avait fait pour vous à votre arrivée à Amsterdam. Vous disiez que vous ne pourriez jamais... Si mon mari avait une dette envers vous, vous conviendrez qu'il l'a payée, même largement. Edith, je ne t'ai jamais vu ainsi. Je ne te reconnais pas. Mais qu'est-ce que tu as? J'aurais dû en parler il y a longtemps. Il y a des gens vers qui on ne peut pas être bon. Il y aurait eu assez à manger si vous n'étiez pas venu ici. Vous êtes mal placé pour parler. Nous n'avons pas besoin des nazis pour nous détruire. Nous nous détruisons nous-mêmes. Tenez, donnez-le à Mip. Elle vous trouvera une autre cachette. Maman, ne chasse pas Peter, je t'en prie. Lui n'a rien fait du tout. Non, bien sûr que non. Peter peut rester. Quand je dis les enfants, j'inclus aussi Peter, bien sûr. Si mon père s'en va, je m'en irai aussi. Oh, je n'ai pas un père pour toi, cet homme. Il n'a aucune idée de ce que c'est d'être un père. Je ne peux pas rester. J'aurai mauvaise conscience. Tant pis, je regrette. Oh non, Peter! Peter, je t'en prie! La nourriture m'est égale. Ils peuvent avoir la mienne, je n'en veux pas. Mais ne les renvoie pas. Le jour se lève, tu ne peux pas faire ça, ils seront pris. Je t'en prie, maman. Ils ne s'en iront pas maintenant. Ils resteront jusqu'à ce que Mip leur trouve une autre cachette. Mais je vous avertis, il ne devra plus jamais descendre ici. Il ne viendra plus jamais dans cette pièce, là où est la nourriture. Nous allons partager ce que nous avons, une part égale pour chacun de nous. Et vous pourrez faire la cuisine, vous lui montrez ses repas dans sa chambre. Oh non. Non, nous ne sommes pas tombés si bas que nous devions nous battre pour quelques misérables pommes de terre pourries. Monsieur Franck, Madame Franck, Anne, Margot, Peter. C'est Mip. À cette heure-ci? Sûrement des ennuis. Je vous en supplie surtout qu'elle ne voie pas ça. Madame Fradan, Monsieur Fratam, moi-même, Monsieur Franck, arrêtez. Madame Franck, Anne, Margot, Peter, Monsieur Fratam, Madame Fratam, toutes les plus grosses pour vous-même. Toutes les plus grosses, non, Monsieur mais regardez Franck, ça, regardez Madame la taille Franck, de celle-là. Non, arrêtez, non, tous les deux, non, arrêtez, je vous dis, non, Monsieur Franck, j'ai une merveilleuse nouvelle, le débarquement a commencé. Vous entendez, mes amis, vous avez entendu ce que j'ai dit? Le débarquement a commencé. Ils ont débarqué. Où? Mais c'est arrivé très très tôt ce matin. Comment le savez-vous? La radio, la BBC. Ils ont dit que les Alliés avaient débarqué en Normandie. Les Britanniques? Les Britanniques, les Américains, les Français, les Hollandais, les Polonais, les Norvégiens. Tous. Plus de 4000 bateaux, imaginez un peu. Churchill a parlé et le général Eisenhower. Ils appellent ça le jour J. Oh,
de loin le meilleur traitement pour ce qu'il a. À quel endroit en Normandie ont-ils débarqué, l'ont-ils dit? En Normandie? C'est tout ce que je sais. Je reviendrai dès que j'en saurai davantage. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Pouty. Pouty. Pouty, qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, pitié. J'ai tellement honte de moi. Non, pour l'amour du ciel. Non, Pouty. Ça ne fait rien maintenant. Vous avez entendu ce que Mip a dit? Le débarquement a commencé, il faut faire la fête. Nous allons être libérés. Voler le pain de nos enfants. Nous avons tous fait des choses dont nous avons terriblement honte. Regardez-moi. Regardez comment j'ai traité maman. J'ai été méchante et horrible avec elle. Non, Anneke, non. Oh, maman, je t'ai fait tant de peine. Non, personne n'est aussi méchant que moi. Arrêtez, soyons heureux. Tenez, du schnaps. Schnaps. Lorheim. Allez, Pouty, prends-le. Allez, allez, prends-le. Allez. Edith, mais qu'est-ce qu'il y a? Quand je pense aux terribles choses que j'ai dites tout à l'heure. Oh non, vous aviez raison, c'est vrai. Vous dire ces choses à vous, nos invités, nos bons amis. Tenez. Arrêtez enfin, vous nous gâchez tout le débarquement. Août 1944. Les nouvelles que nous attendons se font cruellement désirer. Ces temps-ci, j'ai souvent été déprimée, mais jamais désespérée. J'oublie tout dès que j'écris. Mais est-ce que je saurais jamais bien écrire? Je le voudrais tant. Je veux continuer à vivre, même après ma mort. Encore un anniversaire de passé. Maintenant, j'ai 15 ans. Vous entendez? Oui, j'entends. C'est un signal. Ça doit être Mip qui essaie de nous joindre. Elle ne peut pas venir et elle essaie de nous mettre en garde. Monsieur Dussel, vous vous énervez pour rien. Il se passe quelque chose, monsieur Franck. Ça fait 3 jours que Mip n'est pas venu nous voir. Et aujourd'hui, personne n'est venu travailler. On n'entend pas de bruit. Nous sommes sans doute dimanche. Nous avons perdu le compte des jours. La fille au journal, quelle journée? Je n'ai pas perdu le compte des jours. Je sais exactement quel jour on est. Vendredi, on est le 4 août. Vendredi, personne ne travaille. Je suis sûr que M. Kraler est mort. C'est la seule explication. Il est mort et ils ont fermé la maison. Et Mip essaie de nous avertir. Elle n'utiliserait jamais le téléphone. Monsieur Franck, je vous en supplie, il faut répondre. Non, vous pouvez décrocher. Pas besoin de parler, juste pour savoir si c'est bien Mip. Pour l'amour du ciel, faites-le! Non, je vous ai dit non! Je ne ferai rien qui risque de trahir notre présence dans l'immeuble, que ce soit clair. Monsieur Franck a raison. Inutile de demander de quel côté tu tranches. Si l'on se montre patient, tranquille, je suis sûr qu'on viendra nous aider. Je vais descendre. Non, trop tard. Alors, nous allons attendre la mort ici. Je ne peux pas le supporter. Je n'en peux plus, je vais me tuer. Oh, t'en prie, ne commence pas. Tu voudrais bien que je meure. Tu veux que je sois morte, c'est ça? C'est la faute à qui si on en est là?
Si tu m'avais écouté, on serait en sécurité quelque part en Suisse ou Dieu sait où. Mais tu n'en as fait qu'à ta tête. Tu n'as pas voulu abandonner tes affaires, tes précieux meubles. Ne me touche pas. Regarde, Peter. Le ciel. Quelle merveilleuse journée. Et les nuages sont magnifiques. C'est bizarre, mais dans le temps, je n'y faisais pas attention. Et maintenant que je suis enfermée, je deviens folle de la nature. Pas toi? Moi, je deviens simplement fou. Si on ne sort pas bientôt d'ici, je ne peux plus supporter ça. Si tu avais un peu de religion, Peter. Ah, ça, non, merci. Oh, n'importe quelle religion, tu sais. N'importe laquelle. Juste le fait de croire en quelque chose. Quand je pense à la gentillesse, à la bonté des gens que nous connaissons, Monsieur Kraller, Mip, Dirk, le marchand de fruits, qui risquent sans arrêt leur vie pour nous tous, tous les jours. Quand je réfléchis à tout ça, alors je n'ai plus du tout peur. Je trouve une raison de vivre, et Dieu aussi. Ouais, tu parles. Quand j'y réfléchis, ça me rend fou. On est là, on se cache pendant 2 ans, pris comme des... On attend qu'ils viennent nous chercher. Nous ne sommes pas le seul peuple à devoir souffrir. Il y a toujours eu des peuples qui ont souffert. Quelquefois c'est une race, quelquefois une autre, et pourtant... Tout ce que tu dis là ne me console pas. Tu sais ce que je pense parfois? Je me dis que le monde passe par une étape. Comme moi avec maman. Ça passera. Peut-être dans quelques centaines d'années, mais un jour viendra. Je suis persuadée que malgré tout, les gens sont vraiment bons au fond. Je veux voir les choses maintenant. Et pas dans des milliers d'années. Mais Peter, il faut considérer cela comme faisant partie d'un grand schéma, tu sais. Nous ne sommes qu'une petite minute dans l'univers et... Tu nous entends. On se dispute comme des grandes personnes imbues d'elles-mêmes. Regarde le ciel maintenant. Il est magnifique. Un beau jour, quand nous pourrons à nouveau sortir, je vais aller... Nous vivions dans la peur. Maintenant, nous vivrons dans l'espoir. C'est fini. J'étais allée à la campagne pour trouver de la nourriture.
À notre retour, le bâtiment était cerné par la police. Nous avons voulu savoir comment ils l'avaient appris. C'était le voleur. Le voleur leur a tout dit. C'est étrange d'affirmer que quiconque puisse être heureux dans un camp de concentration, bien sûr, mais Anne l'était. Contente. Dans le camp de la mort. En Hollande où ils nous ont emmenés. Au bout de 2 ans passés enfermés dans ce grenier, elle était dehors enfin. Dehors au soleil et à l'air frais qu'elle adorait. Encore un peu. En septembre, on nous a envoyés en Pologne. Les hommes dans un camp, les femmes dans l'autre. J'ai été envoyé à Auschwitz. En janvier, on nous a libérés. De peu d'entre nous qui restaient encore. La guerre n'était pas encore terminée. Et il nous a fallu longtemps pour rentrer chez nous. On nous envoyait ici et là, derrière les lignes, pour être en sécurité. À chaque fois que notre train faisait une petite escale, un croisement, on sortait tous et on allait de groupe en groupe. Où étiez-vous? Où étiez-vous? À Mauthausen? À Buchenwald? Est-il possible que vous ayez connu mon père? Est-ce que vous avez vu mon cher mari, ma femme, mon fils, ma fille? C'est de cette façon que j'ai appris la mort d'Edith et Margot et Van Damme. Peter. Seul. Mais Anne, j'avais encore de l'espoir. Et hier, je suis allé à Rotterdam. Là, il y avait une femme qui avait été à Belsen avec Anne. Maintenant, je sais. Je suis persuadée que malgré tout, les gens sont vraiment bons au fond. Quand je lis ces paroles, j'ai honte de moi.